revient après 150 ans, qui n'a pas fait de vidéo, c'est moi. On se retrouve pour un petit haul, non même pas, pour un petit retour de course du magasin Carrefour, normal, et c'est tout je crois. Ouais. Et non Aldi. Aldi et le boucher comme ça. J'ai fait plusieurs trucs vu que mon fils n'était pas là aujourd'hui, qu'il avait une sortie, voilà. Bref, raconte pas ta vie.com. On va commencer par... Et par contre, j'ai souffert. Hein. Je vous jure que j'ai souffert. J'ai porté tout à bras le corps. Donc, on va commencer par... Des fruit shoots. Il y en a 24. La dernière fois que j'étais à Lidl, mon fils, le petit, les voulait. Je crois que c'était mouillé. Le petit les voulait, voilà. Ouais, j'ai une dégaine, j'ai la cuisse en l'air, normal. Bref. Alors, anormal, je vais vous montrer d'abord anormal. Hein. Ça, c'est à Aldi, mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté ceci, je ne sais pas c'est quoi. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. C'est des chocolats, je crois. Aux cookies. À tester. Alors ça, bien sûr, c'est pas pour moi, parce qu'il y a des limites à l'adoration du fromage. J'adore le fromage, mais alors mon petit... Des pop-corn au fromage, s'il vous plaît. Je dis ça, je dis rien. Là, ça c'est pour moi et le grand, s'il veut goûter. S'il aime les pop-corn, je crois. Des pop-corn au... Werther. Ouais, bon, bref. Nous, on appelle ça les originaux. Voilà. Parce que ma maman, elle adore les bonbons caramélisés comme ça. C'est vrai que je lui en achète d'ailleurs de ça. Ça, ça va pas là. J'ai acheté des Kit Kat comme ça, là. Noisettes. À tester aussi. J'ai acheté ça. Du chocolat Milka au Cheesecake Chambéry. J'ai un anglais, franchement. Même moi, je suis époustouflée. Comme ça. Voilà. On verra, je vous dirai. J'ai trouvé ceci aussi. Voilà. Tout ce que je vous montre là, c'est pour dans une vidéo. Hein. Avec le petit ou on verra avec qui. Des Smarties au chocolat blanc. Alors, j'ai trouvé ça, je l'ai vu sur plusieurs vidéos. Des pailles au chocolat. J'ai pas trouvé à la fraise, c'est bien dommage. Des pailles au chocolat, je trouve ça franchement à tester. Je vous dirai de toute façon. Non, pour moi. Du Fanta à la fraise. Oui, j'ai jamais goûté du Fanta à la fraise. À Carrefour. Voilà. Oui, j'étais en train de réfléchir. À Carrefour, je me suis acheté. Pour moi, Elias, parce qu'Elias va se mettre à faire des gâteaux aussi. Hein. Il fallait qu'il commence à faire la cuisine. Voilà. Parce que j'ai pas envie qu'ils fassent comme certains, ne pas savoir faire la cuisine et dépendre de leur femme. Mes gosses, je les éduque comme ça. Après, certains font ce qu'ils veulent. D'accord. Bref, un kit à pâtisserie, vous savez, pour machiner, pour faire des points, pour tartiner. Ça, c'était Carrefour. Ça, j'en cherche depuis longtemps, longtemps. J'ai fait Action, j'ai fait Carrefour, j'ai fait Auchan. J'ai fait tout, ça n'a pas marché. Oui, maintenant je bouge ma main, vous avez vu, je la ferme et tout. Regardez. Ça se voit moins. Pour ceux qui savent, entre nous, j'ai été opérée. Bref, pour la troisième fois. Et ça a l'air de mieux marcher. Mais le problème, j'ai toujours un problème au niveau d'ici, là. Ça bloque toujours un peu. Bref. Tigrou, tu veux voir? Viens leur montrer comme t'es beau gosse maintenant. Ouais, t'es fatigué, feignant. J'ai acheté un thermomètre de cuisson, voilà. Tout simplement. J'ai une gueule fatiguée parce que j'ai eu le Covid. Et cette fois-ci, ça a impacté beaucoup ma santé. Voilà, bref, j'en dis pas plus. Je ne regarde que moi. Bref, j'ai acheté du riz comme ça en pyramide. Je sais pas si vous connaissez, j'adore. Parce que tu vas me dire, oui, mais tu peux acheter moins cher et tout ça. Ouais, mais la qualité de ce riz, il est juste phénoménale. Et en plus, les sachets, vous les attrapez une fois qu'ils sont sortis de l'eau, vous tirez même brûlant. Ça, pour moi, je trouve. Vous les attrapez, vous les tirez en deux, pas besoin de ciseaux, pas besoin de couteau, pas besoin de rien. Tigrou qui est en train d'essayer de choper une mouche. Ok. Les mouches et les moustiques cet été, j'en aurais pas chez moi, hein, mais bon, pas grave.
Après, je me suis pris, j'espère que je ne me suis pas trompée, ouais. Je me suis pris des salades comme ça. Alors, ces salades, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Il y a des pâtes, il y a du fromage, il y a de la salade, beaucoup de fromage, des carottes, bref, voilà. Ces salades, si vous m'invitez chez vous, prenez une salade comme ça, juste ça, ça me suffit. Après, ça va être le ramadan, donc soyez indulgents avec moi. Voilà. Et je me suis acheté ceci pour le chemin, mais je ne l'ai pas bu sur le chemin. Voilà. Et pour mon grand, en espérant que ça lui aille, hein, je lui ai acheté des vêtements. Parce que j'ai trouvé ça cool. Tu vas me dire, mais pourquoi t'as pas acheté au petit? Le petit, il a plein de vêtements. Mais après, oui, je vais lui en acheter parce que ça grandit vite, ces petites choses. Donc, pour le grand, qui fait du taille S, je précise. Voilà, un t-shirt NASA. Tout simplement. Il est trop beau. Je voulais lui prendre en blanc, mais il n'y avait pas sa taille. Et même lui, il était dégoûté. Bref. C'est la vie, hein. Short qui va avec. Il va pas avec, mais il a pris la couleur bleue aussi. Oui, parce que je l'avais... Ça me perturbe ce truc-là. Ah ouais, il est pas tourné comme il faut. Le grand, il est un peu difficile niveau vêtements. C'est pas qu'il est difficile, il a son style en fait simple. Il aime pas tout ce qui est à trous, par contre, les jeans à trous oubliés. Il aime le classique, cet enfant. Et les marques. Voilà. Donc voilà. Et le petit, ouais, il grandit lui aussi, donc il va falloir que je lui rachète des vêtements. Parce que franchement, ils ont un père en plastique. Hein. Je pense qu'il verra cette vidéo. Hein. Parce que je crois qu'il est abonné à ma chaîne, mais je crois que le grand l'a désabonné. Parce que je lui dis qu'il n'avait pas besoin de voir ma vie, en fait. Et oui, j'ai une voix de merde qui raille, qui part des fois. Vous n'allez pas comprendre, mais c'est la vie. Donc, pour mes fils... Je l'ai racheté. Voilà. Un autre truc quand je parle trop. Voilà. Bref. Des barres au chocolat caramélisées de Smarties. Le grand comme le petit, ils aiment ça. Hein. Ça aussi, c'est des trucs le petit m'avait demandé la dernière fois quand t'as... Donc voilà. Ça, c'est mes meilleurs gâteaux du monde. Ouais. J'étais en train de... Avec les palmitos au caramel. Voilà. Ça, c'est les gâteaux. Vous verrez. Achetez-les. En plus, ce qui est bien, c'est que... Attendez, je vous montre parce que... Aïe. Purée, pourtant, j'ai un petit doigt. Bon, bref, c'est un distributeur. Vous ouvrez là, hein, comme vous avez pu voir. Vous tirez là. Et en fait, ils prennent des gâteaux, tout simplement. Pour la viande. Voilà, voilà. Donc... Allez au boucher, s'il vous plaît. J'ai pris un gros poulet fermé. Regardez-moi cette tête. Par contre, le mec, il est hyper cool. Il m'a coupé les trucs qui dépassaient, le quignon de la tête, là, vous savez. Parce que moi... Et son olive. Pourtant, les olives, elles n'étaient pas dessus. Bref, un gros poulet fermé. Vous avez vu la taille de ma tête et la taille du poulet, s'il vous plaît. En fait, ça, je le fais avec au four. Avec des olives, voilà. Cette fois-ci, je les ai pris pré-découpées parce que vu que j'ai été opérée, ben faut que je fasse attention quand même. T'as un pet, un mouchon. Donc voilà, je sais plus qu'est-ce que je disais. Tu me gênes, merci. Ah oui, que je faisais le poulet avec les olives et le riz là que vous avez vu tout à l'heure en sauce dans le four. Quoi. Et mes enfants kiffent ça. Donc ensuite, c'est qui va arranger parce que ses enfants sont pas là. Eh bien c'est moi. C'est génial. Je reprends la vidéo. Les mains qui collent bien sûr. Donc, je disais donc, je les ai mis en sachet, c'est pour ça. J'ai acheté des blancs de poulet parce qu'en fait, les blancs de poulet étaient dégoûtés et en fait, mes enfants ont kiffé ça, tout simplement. Donc du coup voilà. Ensuite,
Je vais pas mettre ça sur moi parce que... Eh oui, en fait, le paquet était mal fermé. Voilà. Le paquet était mal fermé, donc ça a glissé un peu dans la poche. Et en fait, c'est un peu visqueux, vous savez, j'aime pas trop ça. J'ai pris 1 kg de viande hachée, tout simplement, pour faire les calédonies, ou les calédonies, moi j'ai dit calédonies, pour ceux qui ont compris, qui ont déjà vu la vidéo. Et les lasagnes. Et les poivrons farcis, il faut que je fasse aussi. Mais je reprendrai d'autres viandes. Ça, c'est juste pour faire les lasagnes et les calédonies plutôt. Je sais pas, on verra. Ah oui, aussi, je fais... non, je vais faire les calédonies. Calédonies. Et les boulettes de viande. Je pense que je vais leur faire ça. Et ça fait un moment, un truc que je déteste. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as acheté? Parce que mes enfants aiment ça, en fait. J'ai acheté des merguez. Voilà, simplement. Des petites merguez. Voilà, voilà. Et mes enfants aiment ça. Donc, automatiquement, si mes enfants aiment ça, je comprends pas pourquoi certains parents ne le prennent pas quand eux n'aiment pas. Moi, j'estime que si mes enfants aiment, je prends quoi. Je sais pas. Ah oui, j'ai oublié ça. D'où le mot bêtise tout à l'heure. J'ai acheté. Voilà, c'est un peu écrasé. Oui, il y en a trois à chaque fois. Des cookies et des beignets au chocolat. Voilà. Aldi. Regardez-moi cette splendeur. Regardez-moi la taille du cookie. Ça me fait penser au cookie que j'avais fait la dernière fois. Vous avez vu la taille? Et les beignets au chocolat. Oh, ils ont eu un petit accident, mais ils ne seraient pas méchants. Voilà. Ah! On va y aller de plus en plus crescendo, voilà. Il y aura d'autres vidéos avec certaines personnes normalement qui m'ont donné son accord, mais je vais les faire signer, tu vois, pour pas qu'il y ait des bails par derrière comme on m'a fait une fois. Voilà. Donc comme quoi je ne retirerai aucune vidéo si les personnes apparaissent sur mon truc. Enfin bref, je suis désolée, je suis en train de regarder Tigrou, franchement. Il a un pet ce chat, je vous jure. Il a 3 ans là en avril. Le 26 avril, il aura 3 ans. Je croyais qu'il allait avoir 4 ans, mais n'importe quoi, il va avoir 3 ans. Un Tigrou ? Tigre ! Oui, je sais que t'aimes pas. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté ! Il m'a mis des poils partout ce gros cochon. Oh, désolé. Avec plaisir. Bref, je vous fais de gros bisous. Voilà. Là, après la vidéo, il y aura la vidéo dégustation des produits que j'ai acheté là chez Normal. Et puis voilà, c'est tout. Si vous entendez un déménagement, c'est mon chat qui déménage, je crois. Hein, Tigrou ? Sa petite bouche. Donc, je vous fais des gros bisous. Ça y est, il a tapé son speed. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Et pour ceux qui connaissent mes vidéos, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Bonne année. Tu t'es trompé, je t'ai entendu. Tu t'es trompé. Par contre, toi, t'as eu tout juste. Bonne année. Joyeux Noël. Et mangez des écureuils mouillés. Tchou, bye, c'est mère.